Prenez plaisir à façonner vos paysages avec la jardinerie Calencote, une équipe au service de vos besoins. Avec les fortes chaleurs actuelles, des bonnes pratiques sont à adopter pour que vos plantes poussent dans les meilleures conditions possibles. Léa, assistante commerciale pour la jardinerie Calencote à Villeneuve-sur-Yonne, nous explique cela. Alors déjà, vous allez le voir, quand vos plantes ont besoin d'eau, le substrat sera sec. Ensuite, les feuilles peuvent aussi flétrir. Et donc pour ça, ce qu'il faut faire, ce qu'on vous conseille, c'est d'arroser régulièrement, si possible, enfin l'idéal ce serait le soir. Ensuite de pailler au moins 5 cm avec de l'écorce, du paillis de chanvre ou n'importe. Aussi, ce qu'on pouvait vous proposer, c'est l'arrosage, c'est avec les olaces, des petits pots que vous allez enterrer. Et en fait, l'eau va s'évaporer tout seul dans la plante, donc vous n'aurez pas forcément besoin d'arroser. Ensuite, il y a aussi le goutte à goutte. Chaque plante a sa spécificité. Il y a des plantes qui seront mieux à la mi-ombre, des plantes qui sont très bien au soleil. Donc, gardez quand même leurs besoins. Donc, s'ils ont besoin d'être au soleil, mettez-les au soleil. Si elles ont vous êtes à la mi-ombre, mettez-les à la mi-ombre. Si elles ont besoin d'être à l'ombre complètement, laissez-les à l'ombre. Faut pas rentrer vos plantes, même si il fait chaud. Pour des informations plus précises, rendez-vous à la jardinerie Calencote de Villeneuve-sur-Yonne, où des experts seront à votre disposition.